Elle est trop cool cette musique. Là, ça fait 10 minutes que je l'entends, le temps d'amorcer le live et tout. Et ouais, décidément, elle est super sympa. Comme tout le jeu, en fait, je me suis éclaté hier avec, Conquer Live and Reload. En fait, je suis tellement content de reprendre la suite ce soir. C'est vraiment un super jeu. J'arrive à comprendre sa réputation. Voilà. Il fait pas partie des jeux que je joue, et qu'après je me dis, mais pourquoi il a une si bonne réputation alors que c'est tout pourri? Non, j'aime beaucoup, honnêtement, ce jeu, j'aime beaucoup Conquer. Bref, bonsoir à tous et bienvenue pour ce live du vendredi. Oh, c'est le week-end, bienvenue, j'espère que ça va bien, bonsoir Felbo, bonsoir Vitaloun, comment vous allez tous les deux? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait du yo-yo! Son yo-yo fait un drôle de bruit quand même. Bon, bah allez, c'est parti! Allez, tiens, juste pour vous mettre en forme, je sais même pas si vous étiez encore là quand j'ai terminé le live hier, mais c'est pas grave, juste pour me remémorer aussi tout ça. Ouais, le melonnier, exactement, Vibroski, bonsoir à toi. Pour vous remettre en forme, je voulais vous montrer le melonnier. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'avais oublié ça! Ah bah, c'est tant mieux. Voilà, grâce au melonnier, je me suis remémoré un événement que je devais faire, mais qu'est-ce que je fous là? Bon, bah, j'irai plus tard, alors. Logiquement, en prenant la sortie que j'ai prise, je n'aurais pas dû atterrir ici. Mais c'est pas grave. Tant pis. Bonsoir. Comment ça va, mon vibro? Mon vibro, futur star de streaming, n'est-ce pas? Avec le streaming game et tout, le stream money. Bonsoir, Mathéo. Ça va bien, et toi? Allez, go! Hop! Est-ce que j'ai besoin d'un chocolat? Non, ouais, comme je viens de reprendre la partie. Le jeu est quand même assez permissif en ce qui concerne la vie. Hein. Il est assez cool. On trouve de la vie partout. Putain, il y a... Ah non, mais ça va être chiant par contre. Les guêpes n'étaient pas là avant. Donc je... Alors tout à l'heure, je l'ai... Ok, bon, c'est bon. Je lui ai échappé... Oh, putain! Ah, c'est bon. J'y avais échappé lors de la première échelle. Où je m'attends tellement à ce qu'il y en ait une autre qui traîne par là. Oui, elle. Oui, c'est d'elle dont... Ah, putain. Bonsoir. C'est quand tu mélanges... C'est quand t'es un peu bourré que tu mélanges Banzai et bonsoir. Bonsoir. C'est tout à fait... c'est tout à fait digne du jeu, mon cher Klex. Bonsoir à toi. Bonsoir. Tu vas bien? LOL Future Star, la meilleure blague. Mais non! Tu te sous-estimes tellement, mon vibro! Voilà, je suis sûr que le Belge Gaming n'attend que toi. Je joue sur quoi? Je joue sur Xbox. Donc, je joue sur Xbox avec une Xbox directement, hein, c'est pas de l'émulation. Et oui, donc c'est la version Live in Reload. Et non pas la version Bad Fur Day, c'est la version Nintendo 64. Mais bon, je pense qu'à l'image, ça se voit quand même un petit peu. Ouah, putain! Bon, j'imagine que... Il y a du connaisseur de l'écureuil, là, dans le coin, puisque... Cette question n'étant pas d'Odin, j'imagine. Ah. N'est-ce pas, Mathéo, tu dois connaître le jeu? Putain, non, je vais me faire avoir... Ah non, mais... Mais comment c'est possible, là? Parce que... Si je croise l'abeille... Enfin, la guêpe, plutôt, là... Si je descends, elle me tue. Si je continue à monter, elle me tue. Enfin, en tout cas, elle me vise. Voilà, tout à l'heure, il y en avait une. Voilà. Ah non, caméra, caméra! Caméra 2. Hop, ok, j'y vais, ça me semble être le bon moment. Oui! Parfait. Salut mon fly, nous tournez, non! Alors, par contre, ouais, ça c'est... Ouais, ok. Ah putain, et ben voilà, c'est la remords. Les dégâts de chute sont pas pris en compte si... Oh, qu'est-ce qui se passe encore? J'ai perdu toutes mes vies, c'est ça? Les dégâts de chute sont pas pris en compte si on s'est fait toucher juste avant, c'est bizarre. Le Belch Gaming. Putain, et c'est la mort, c'est ça? C'est le game over? Disparu, avez-vous vu cet écureuil?
Ouais, voilà, fin de partie. Bon, bah merci d'être venu. Des bisous à tous. Voilà. Putain, c'est pas vrai, ça commence bien, quoi. T'as eu de la chance. J'ai eu trop de chance. Mais tellement. Mais ouais, les guêpes, là, elles sont reloues, quoi. Alors, en fait, j'imagine que sur la dernière échelle, il y en a deux. Moi, je me suis dépêché, je me suis dit, allez, ça va y aller, je suis juste au bout. Bon, ça va, ça me remet ici. Mais je reviens avec combien de vie, là, du coup? Parce que ça a dû sauvegarder, je sais pas. Péter leurs chevilles, bra. Bama, les pyramides, bra. Je vais vous faire des bisous de la part de Miss Fitzo. Oh, c'est gentil. Tu remets des bisous à Miss Fitzo et en échange, on t'en fait un aussi, Vitalun. Bonsoir à toi, comment tu vas? Bon, allez. On n'est pas là pour déconner non plus. Oh putain, non! Ah, oh. En fait, à chaque fois, j'ai quand même de la chance, puisque je retombe exactement où il faudrait. Là, c'est pas très grave, parce qu'il y a une tablette... Ah, putain de merde. Un carré de chocolat en bas, voilà. Bon, là, c'est grave. Ah oui, là, c'est grave. Il y a du sang partout, je me suis encastré bien comme il faut dans le sol. Mec, continue le live, s'il te plaît. Non, mais ne t'inquiète pas, je déconne. Je viens juste de commencer. Donc, oui, oui, non, je vais pas abandonner après 5 minutes. Ne t'inquiète pas. Voilà, je suis persévérant, le jeu ne m'aura pas. Bonsoir tout le monde, salut Agathe et Nels, comment tu vas aujourd'hui? Putain, deux. Ah ouais, donc à chaque fois je reprends mes trois queues. Qui est une phrase sortie hors du contexte, très bizarre. Alors je le vois, ah, et en fait, voilà, c'est ça la solution, regardez. C'est comme ça qu'on joue à Conquer, faut surveiller les guêpes. Voilà, lui il va passer. Ok. Là il me voit? Non, il me voit pas là. Hein. Ouais, allez, et là, bim. Ok, c'est bon. C'est passé, mais alors j'ai l'impression que c'est limite à chaque fois. Bon, le gobelin, là, on s'en fout. Il est un peu... J'allais dire, il est un peu inoffensif, mais en fait, que dalle. C'est un bordel, j'en ai marre. Bien, et toi? Allez. J'ai un peu mal à la tête, là. Ça doit être les explosions contre le sol qui font ça. En même temps, je viens d'arriver. Non, mais voilà. Je commence à 21h. Ouais, si je m'arrête à 21h05, ça va pas le faire. Ça va donner trop de boulot à Klex que pour quand il reprend la suite après. Ah, peut-être pas aujourd'hui, hein, j'en sais rien d'ailleurs. Il l'avait évoqué hier d'ailleurs, je sais pas. Sprouch. Ouais, non. Je sprouch trop. Putain, c'est que des guêpes. Fais chier. Bah, des guêpes et des gobelins. Hop, 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 hop. Non. Voilà, 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 là, et là, oui, voilà, là, je peux y aller juste derrière elle, elle me va pas, elle peut pas me voir avec son dard quand même. Ah, ça passe bien comme ça. Regardez, elle a rien eu le temps de faire. Je l'ai trop mindé. Hop. Lui, par contre, il a bien failli me faire quelque chose là. Ah, dit. Oh putain, non, je vois pas, elle me gênait. Ah, j'ai eu de la chance. J'ai vu un gros cul en gros plan. Bon, donc en fait, ouais, c'est ça la solution. Ah, la caméra est très mauvaise quand on fait comme ça, et pourtant, bah, on est obligé de faire ça, quoi. Ah. Tout à l'heure, c'est là où je me suis fait avoir, injustement. Oh! Et voilà. Ok. Donc, du chocolat, ça c'est bien, j'aime bien le chocolat. Alors, je vous rappelle, hein, chocolat égale vie. Notre vie est constituée d'une tablette de chocolat. Si on perd tous les morceaux, tous les carrés de chocolat, c'est le game... Enfin, c'est pas forcément le game over, mais en tout cas, on reprend, quoi. On perd une vie. Et ça a servi à quoi? Parce que là, j'ai ouvert une porte, mais je crois qu'elle l'était déjà. Je sais pas. Moi, je fais un live après toi, Manu. Non, je déconne. Oui, je sais. T'as pas ton matos, c'est ça? Pouf, je reprends 23h, même si tu finis à midi. Klex, là. Quel respect, quoi. Putain, le mec. Bonjour tout le monde, salut Bilouret, comment tu vas? Bon. Mais ça servait à quoi de faire ça en fait? Alors il y a de l'eau je crois en bas. Est-ce que je peux tomber sans me croûter? Parce que je...
Non. Non, putain. Les chutes sont abominables dans ce jeu, quoi. La plupart du temps, les dégâts que je prends, c'est moi qui me les fais tout seul, quoi. Je peux... Ça sent la mort, quand même. Alors là, il y a... Oh, c'est pas du tout ce que j'ai essayé de faire. Voilà, j'ai essayé, en plein vol, de me servir de ma queue et de faire l'hélicoptère. Il y a vraiment des choses qu'il va falloir que je fasse attention à ne pas dire avec ce live. Ah, voilà, mais je pense que j'ai ouvert la porte. Et ça n'a pas marché. Et je... Putain, il me reste... Zéro vie. Ah, et ben voilà. La Miss Melon, comme dit Vibro. Je voulais vous la montrer avant de commencer. Alors, j'ai deux choses à faire, en fait. Parce que là, je viens d'ouvrir un accès. Je sais pas du tout vers quoi ça va. Donc, je vais explorer ça. Mais souvenez-vous également que j'avais une espèce de cabane, là, que j'avais trouvé. Une cabane où il y avait une indication que ça ouvrait à 10h. Les 10h sont passées, donc normalement, je peux entrer à l'intérieur. Donc, je vais aller voir ce que c'est. Là, c'est quoi la porte qui s'est ouverte, c'est ça, là? Ah, ouais. Alors, c'est quoi, ça? Oh, merde! Oh, putain! Ah, c'est le... Ah, c'est glauque! Vas-y, prends. Tiens! Ah voilà! Oh, c'est dégueulasse! Les poupées de porcelaine qui se brisent, quoi. Bon, bah au moins, elles sont moins dangereuses. Et moi alors? De quoi et toi? Ah oui, du fric! Brrring. Ce perso me dit un truc. Ah, oh, bonsoir Seeker, bonsoir Michael. Je sais pas, c'est possible, Michael? Peut-être du Conker issu de la Nintendo 64? Possible? Le melonnier. Presque, on dirait les poupées de Alice Madness. Je pourrais pas te dire, j'ai pas encore joué à Alice Madness. Je crois qu'on en avait parlé tous les deux, je t'avais dit que, ouais, bon. Faudrait peut-être que je m'y mette un jour, mais voilà. En tout cas, c'est sanglant, quoi. Mais ça... Ah, d'accord, ça a juste servi à... D'accord, en fait, ça a juste servi à me faire avoir du fric, quoi. Mais qui m'a gueulé dessus? Il m'a dit, hé, hey, moi, c'est le fric? Parce que c'est vrai, les billets parlent, hein, dans ce jeu, c'est normal. Faut pas s'inquiéter. C'est Conker. Bon, bah, allez, je vais aller dans la cabane à côté, là. Mec, s'il te plaît. Bon, ok, on va y aller à la nage. C'est très bien, la nage. C'est bon. C'est... Pour le cardio, c'est très bien. Les graphismes de la queue sont horribles. Bah, c'est de la Xbox en même temps, c'est pas moche. Bah, je veux dire, c'est une génération qui était là en même temps que la PS2, pour te dire. Donc, voilà. Bah, c'était les prémices, en fait, des superbes fourrures qu'on a aujourd'hui, qu'on sait faire. Voilà, on était hyper fiers de montrer une queue comme ça, tout feuille. Voilà, bon, alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu de près, ça fait bizarre. Mais bon, on peut voir quand même que... Bah, il y a plein de poils, en fait, donc c'est assez... ouais, ça devait être assez fou, techniquement, quand même, ce jeu. Tu vas faire des trucs dans la cabane du viol. Ok, c'est ce que je disais donc tout à l'heure, tu connais le jeu, toi, Mathéo. Très bien. Et ben voilà. On va faire du viol. Vous allez être heureux. Hier, on m'a dit, ouais, ton jeu, il est pas pour filles, tout ça, bah... Ouais. Ah, effectivement, la cabane s'ouvre. C'est pilou-pilou. Oh, un Mathéo, OMG. Quoi, vous vous connaissez tous les deux, mais le monde est petit, c'est pas possible. Bonsoir, Little Unicorn, tu vas bien? Il ferait mieux de se presser. Ah oui, lui, il attend son scientifique, là. Qu'est-ce que t'as, toi? Rien, sire. Bon. Ah. Je crois que je l'entends. Et lui aussi, les poils sont bizarres, hein. Je vous assure, à l'époque, c'était ouf. Eureka! J'ai trouvé! Ya! Ya, Eureka! Ah, monseigneur! Vous ne devinerez jamais.
Je pense que j'ai trouvé le problème. Bon. Ici, nous avons la table. La table, Natch? Si vous analysez la table avec attention, oui, c'est moi qui l'allemand. Comme je l'ai fait moi-même, vous observerez un trou. Un trou. Et nous parlons pas de n'importe quel trou, monseigneur. Mais d'un trou considérable. Bon. Le lait va ici. Que se passe-t-il? Nous avons pivot ici, le lait ici, problème de poids, pas bon. Le lait tombe, yeah, c'est ça le problème. Oui, en fait, oui, il manque un pied. Voilà, basiquement, c'est ce qu'on appelle il manque un pied, c'est pas très stable. Je crois comprendre, ils sont très cons dans cet univers. Ah, c'est là que les choses se compliquent. Je me demandais ce qui pourrait boucher le trou. J'ai essayé plusieurs choses. Des éléphants, des plantes en pot. Ils sont... Je vous l'ai dit, hein, c'est le leitmotiv du boss le plus idiot que vous auriez jamais vu. Voilà, Scuriopulus, Manipulus, je sais pas quoi, pour être exact. L'écureuil roux, tout simplement. Donc, voilà, on en est quand même dans un jeu où le méchant va te courir après pour faire de toi un pied de table. Putain, tu veux te revenir à moi, le méchant? Merci, Mathéo. Imitateur, c'est moi qui l'imitais quand j'étais jeune. Je devais avoir 6 ans. Alors c'est simple, monseigneur. Il nous faut un écureuil. Pour le mettre ici, il y a... Vous ne reverserez plus votre lait. Donc voilà. Je veux dire, c'est pas le truc le plus con que vous ayez jamais vu de votre vie. Si lui va vouloir me tuer, c'est pour faire de moi un pied de table. C'est génial. La voix grave de Manuel est perse. Mon clavier, qu'est-ce qui se passe-t-il, Little Unicorn? Tu t'es encore endormi sur ton clavier. Attends, c'est pas toi la dernière fois qu'il y avait ton clavier buggé et que tu n'arrivais plus rien à faire avec? Bon, enfin la maison du caca. Hey, salut, comment ça va? Ça va et toi? Tu veux entrer? Oui, assieds-toi. Ah, ça pue ici! Bah, c'est normal, on est des bousiers, connards, et on fait des boules de bouse. Ah, vraiment? Un peu de bouse? Il a pas envie. Amène tes fesses ici, Assault, je crois qu'il l'a dit. Il y a des putains de vaches. Ramène-les ici, fais-leur chier, et je te ferai une boule de bouse, et tu pourras en faire ce que tu veux. Allez, saute sur ton vélo. Tu es encore là, putain, file! Oui, c'est moi qui dois boucher les trous. La queue pilou-pilou! Elle est belle, la queue pilou-pilou. Et je l'ai dit, hein, c'était pas si moche pour l'époque d'avoir une telle toison comme ça. Mais regardez-moi cette toison. Lord en serait jaloux. Bon. Ah oui, c'est vrai. Oh merde, c'est dégueulasse. Oh putain! Eh mais non, mais j'arrive, je me fais agresser quoi. Attends, viens, viens, ok, allez, viens. Tiens. Pas peur. Oh, il y a du fric là-haut. Oh, mais il est gigantesque. Ok, bah ça c'est fait. Putain, que les ennemis sont durs à tuer. J'espère vraiment qu'on aura une autre arme après. Bon, toi je te... Oui, bon. C'est ça? Oui, oui, ce qu'on a autour de nous, c'est du caca, Nine. Enfin, y'a... Oh, y'a du chocolat, là. Qu'est-ce que... Oh, putain. Par ici la monnaie. Attends, qui parle? Comment je fais pour ramasser le... Ouais. Tiens, on entend la liasse de billets qui est en train de me parler en même temps là. Je sais pas si vous l'entendez vous, mais ça donne quelque chose. Mais hey, ah ben, ouais. Alors là, je peux pas y aller. Bon, je dois aller FK pour cause biologique naturelle. Ok, bah écoute, vise bien le trou. Oh, oui, c'est moi, il me semblait bien, Little Unicorn. La vie, c'est du chocolat, mais on sait jamais sur quoi on va tomber. Manu est devenu catcheur. Pourquoi? Pourquoi catcheur? Hey, mais je sais pas où aller, là, par contre. Hop, voilà, je vais faire ça. Y a une fille. Chocolat.
Ouh, ok, ça s'est bien passé. Je peux sauter là-dessus? Non. Et il y a un truc qui est assez fou, c'est que même la corde, regardez comme elle se... Enfin, je veux dire, ça peut vous sembler être que dalle, mais pour l'époque, c'était assez dingue. Putain, alors lui, il va faire chier. Toi, tu vas faire chier, hein. C'est que, s'il me touche, il va me faire des dégâts, bon, ça va de soi. Mais en plus, il va me propulser vers le bas. Ouais, donc voilà. Bon, ça va, ça s'est bien passé. Ok. Ouh, chocolat. Chocolat, 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 chocolat. Donc j'imagine que c'est là-haut que je dois aller, par contre. Là, il y a le billet, il me semble. Il y a la liasse qui se trouve là-bas, non? Attends, non, ça c'est là d'où je viens. Bah, elle est où, la liasse? Je l'entends là, qui est en train de m'appeler de sa charmante voix de liasse délicate. Bon, mais je sais pas. Ou alors c'est là. Ah, impossible que ce soit là. Parce qu'en fait, si je remonte, c'est quoi ça là-haut? Oh, il y a une queue là. Intéressant, mais non, je pense pas que je puisse la choper d'ici. Je vais essayer d'aller là-dessus. Manu Katché. Je reviendrai quand mon clavier ira mieux. Non, l'état d'unicorne. Ok, bah soigne bien ton clavier. Soigne ses boutons. Bonsoir Luna Moonshan. Comment que tu vas? Et je peux y aller là? Bon, bah, je vais y aller voir, hop. Alors c'est quoi ça? Par contre, ouais, je sais pas du tout où se trouve la liasse de billets que j'ai vue tout à l'heure, quoi. Ça, c'est quoi? Je crois que j'ai oublié plein de choses dans cet endroit. Peut-être que je vais pouvoir revenir par un autre... Une autre entrée, en tout cas. En fait, jus de prune, ok, je vois un petit peu. Bah, voilà, jus de prune. Il y a du caca partout. Ah, dans ma tête, ça fait tilt. Je cherche de la bouge. Je sais que ça peut sembler étrange, mais... Je crois que lui ne me donnera pas de bouse. Rouge. J'ai horreur du rouge. Et encore plus des rouquins. Du balai. Il est édenté quand même, il est complètement édenté le taureau. Oh là! On dirait qu'il aime ni le rouge ni les rouquins. Pourtant, il n'y a pas de rouquins dans le coin. Oh, non. C'est reparti. Désolé de te rappeler de tes années lycée, Conker. Mais tu vas devoir y aller, espèce de rouquin. Manu, détache tes cheveux. Non, mais ils sont devenus trop longs maintenant. C'est difficile de détacher mes cheveux. Bonsoir, mon ami. Oh, mon Dieu, Géo. Bonsoir à toi, comment tu vas? Cet effet graphique de sang. Je vais bien être d'accord avec Mickaël. Allez, en fin de live. Ouais, sinon, ça m'empêche de jouer quand même. Bah oui, parce que... Ouais, vous avez vu Clex avec sa perruque l'autre jour. C'est quoi, ça? Alors, je dirais que c'est un abreuvoir ou mangeoire, mais il y a du sang dedans. C'est normal. Bon, il y a lui qui commence à s'énerver. Jus de prune. Bon, je pense que le but est de faire littéralement chier le taureau. Il y a des bouses un peu partout. Ouais, non, c'est ça, en fait. Je dois aller récupérer les bouses sans me faire gauler. Je sais pas. Parce que là, il y a des... C'est quoi, ça? Putain, on entend les mouches et tout. Ah. Jus de prune. Je sais pas si je peux sauter si haut. Oui. Okay. Ouais. Oh putain. D'accord, sacrée chute. Je suis pas sûr que ce soit ça qu'il fallait faire là. Non. C'est pas vrai, putain. Ouais, le perso marche un petit peu.
Voilà, il fait quelques pas quand on a fini de le diriger, et c'est assez relou. Ok. Voilà. Hop, ok, voilà. Normalement, ici, je suis en sécurité, mais à quoi est-ce que ça me sert de venir par là? Ah, d'accord. On va libérer le jus de prune, si j'ai bien compris. Putain, même les bruits sont dégueulasses, quoi, dans ce lieu. C'est à base de... Voilà. Ah ouais, c'est ça, faut ouvrir le robinet. Allez, hop. Ça? Ok, j'ai compris. Ouverture de robinet la plus compliquée qu'on a jamais vue. Ah, c'est pour ça que c'était rouge! Évidemment! J'essaie de devenir. Quand tu imagines quand tu peux. Mais je sais que t'es assez occupé et tout, avec tes études, donc... voilà, bon courage. Tu veux que je te prépare un Doliprane? J'ai plus de sommeil qu'elle, je vais rester jusqu'à 23h ce soir, youpi, yeah! T'es sûr, c'est difficile de déchasser ses cheveux avec une manette dans les mains. Mais ça me gêne, je vous l'ai dit! Tout le monde est d'accord avec moi, tu vois? C'est bruit, quoi. Il vole avec sa queue pilou-pilou, best game ever. J'ai fait que des bons jeux. Est-ce que je peux rentrer dans le trou, là? Non, non, c'est un faux trou. Toute cette histoire de trou dans ce niveau. Ah, d'accord, ok. Je crois que j'ai à peu près compris ce qu'il va falloir faire. Putain. C'est ça. Bon, en fait, ça m'a l'air assez simple. Ah, une vache! Voilà qui pourrait être utile. Bon, on dirait qu'elle a besoin d'un peu plus de contrôle. Elle est bien sauvage. Oh, c'est déjà l'heure! Ah, je vois ce que c'est le... Je vois que c'est casse-couille. Quoi? Ah, voilà, un beau petit lopin. Je vais me régaler d'un peu d'herbe. Elle a l'air de vouloir aller par là. Je sais pas, je... Non? Je peux faire un truc avec toi? Voilà, si vous pouvez rien faire, vous tapez dessus, ça marche très bien. Bon, voilà. D'accord. Je continue. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire avec la vache. Oh, les burnes! Non? 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 Ah, mais non, moi je pensais qu'il fallait attaquer les burnes du taureau, ça me paraissait logique. Bon, alors attends. Alors, déjà, première étape. Oh, il y a un trou là-bas, non? Qu'est-ce que c'est ça? Attends. Je reviens. Je me fais défoncer, quoi. Je bois du thé sur le sachet de thé, il est écrit Grunti Met Citrus Zurien. Essayez de deviner ses qualités. Je dirais que c'est un thé au citron. Voilà. Peut-être avec autre chose. C'est un thé vert. Ouais, green. Groen, ça doit être thé vert. C'est un thé vert au citron. Ou citron vert, ouais, pourquoi pas. Mais j'aurais dit thé vert au citron. Du thé au caca aromatisé au citron. T'es vert aux agrumes. Mais non, c'est... Citron, moi je dis que c'est du citron. Pas citron? Bon bah agrumes alors. Dans le truc s'appelle Citrus Vrushon. Ah ouais d'accord, donc c'est des agrumes. Alors, je vais essayer autre chose. Voilà, si je me mets derrière.
Ah non, il veut pas. Oh, parce que c'est bien de faire en sorte qu'il se cogne, mais ça sert à quoi? Je fais quoi, moi, après? Peut-être que je dois faire un truc avec le jus de prune. Bon, voilà. Là, il est coincé. Mais... Oh, il y a une bouse! C'est ça? Je vais faire un truc avec? Non. Bonjour. Voilà, voilà, voilà! Dame, mais qu'est-ce que je dois faire? Attends, alors peut-être que je dois faire un truc avec moi, ouais, le... Parce que j'ai rempli ça, c'est pas pour rien quand même. Ça sert à quoi de faire ce que je fais? Il faudrait que je retrouve aussi, tiens, j'ai pas été là. Il faudrait que je retrouve un petit bout de chocolat, là. J'aurais pas de mal, là. En fait, ça sert à rien. Ouais, ouais. J'ai tapé sur Google. Oh non, le cheater! Moi, j'aimerais bien que ma vie soit des carrés de chocolat. Ouais, comme ça. Oui, remarque. Ça te donne une excuse pour en manger. Allez, pas de problème. J'approuve. Qu'est-ce que... Je vois rien d'autre où je pourrais faire foncer le taureau, quoi. Oh, oh. Oh, il m'a touché quand même, petit enfoiré, quoi. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas de... Ah si, il y a un autre carré là-bas, je vais aller chercher vite fait. Ok. Allez, vas-y, fonce. Merde. Il a un pansement sur le cul, quoi. Ah, voilà. Bon, attends, je peux pas faire... Ah, ça y est. Oh, c'est élucubrations, jeune homme. Mon Dieu. J'en ai perdu l'appétit. J'y vais. Je vais aller me balader par ici. D'accord, en fait, faut la diriger vers le jus de prune, c'est ça? J'ai une petite soif. Cette herbe délicieuse devrait aller comme un charme. Ça m'a l'air délicieux. Parfumé à la mûre. Un régal. Avec les mamelles qui... un drôle de goût. Ah mais visiblement elles sont habituées les vaches. Le réservoir était au-dessus quand même du truc où elles sont habituées à boire. Oh mais non. Oh putain de merde. C'est la chiasse. Je me barre d'ici. C'est de bon goût, hein. Mon Dieu, c'est vraiment la honte. J'espère que Matisse et Olive n'assistent pas à cela. Ou j'en entendrai parler toute ma vie. Oh, c'est un peu... Oh, c'est... Ah, ça fait du bien, hein. Oh, je vais rester un peu par ici au cas où, on ne sait jamais. On dirait qu'elle est prête à y aller. Elle est où? Attends. C'est pas du tout ce que je visais. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Oh, juste ça. Ok, et ça va faire venir une autre vache. Ah ouais. Mais bon bah très bien. Poc. Bien. Ah, puis là, il est légèrement incontrôlable. Allez, tiens. Ah ouais, d'accord, mais... Même quand je retombe dans l'eau, en fait, ça me prend un carré de chocolat, c'est ouf.
normalement, il y en a un. Voilà, je vais me refaire une petite santé de carré au chocolat. Voilà, tranquillement. Hop, il y en a plein autour, en plus. Ok, j'ai presque une tablette complète. Ça me va. Non, mais en fait, je crois que j'ai fini, non? Parce que... visiblement, c'est la même vache, parce qu'elle est au milieu en train de chier, là. J'ai pas d'autre... ça va être long, je sens. Je sais pas quoi faire. Ça m'a traumatisé le caca. Le jeu du diable. What? Two girl, one cup. Merde, Vibroski, quoi. Bonsoir, Neo6. Comment que tu vas, ça? Vous êtes pire, vous connaissez. Mais qui ne connaît pas? Mais qui ne connaît pas? Alors, peut-être que maintenant qu'en fait, que la vache m'a ouvert une sortie, je dois la prendre. Parce que là, c'est quoi? Ça, on est d'accord, c'est là d'où je viens. Hein. Ouais, je pense. Quoique... ah, là-bas, là, ok, la vache est sortie de cette porte là-bas. Est-ce que ça sert à quelque chose que moi j'y aille? Non! Non, c'est pas une bonne idée. Au contraire, je pense que... ouais, je vais me retrouver coincé. Bon, elle est en train de chier au milieu, là. À quoi ça sert? Tu dois continuer à les tabasser ou quoi? Ouais, je vous l'ai dit, c'est légèrement incontrôlable. Je suis très content d'être en week-end. Oh, wait. De quoi, Vibro? Bah, pourquoi tu serais pas en week-end? Je suis très content d'être en week-end. Ok. Putain... en fait, au niveau de la vie, je l'ai déjà dit hier, mais... ouais, le jeu est très cool, quoi. Si normalement on se débrouille bien et qu'on sait où se trouvent les différents carrés de chocolat, on peut difficilement crever, quoi. Allez, allez, voilà, voilà, là, je suis bon. Je suis en face. Ça sert à quoi? Enfin... si, j'ai l'impression que ça sert à quelque chose, parce qu'à chaque fois, les trucs à défoncer ne sont pas les mêmes. Allez, vas-y, casse-toi un peu. Sur mon sachet de thé, il est écrit « Cyclotita ». Devinez à quoi c'est. Ouais, là, je... en thé, c'est-y. Cyclo. Cyclote. Citron. Le mec, il voit du citron partout. Ok, voilà, ça c'est fait. Donc il y a une autre vache qui va sortir. Mais est-ce que c'est utile ce que je fais, putain? Elle va où? Là, là, voilà, je vais surveiller la vache. Qu'est-ce que tu fais, cocotte? Ah, donc elle broute! Donc elle va pas chier au milieu dans son truc. Donc oui, il faut quand même lui rentrer dedans minimum une fois. Et remplir, à mon avis, le réservoir. Ouais, d'accord, je crois que c'est ça. Donc en fait, non, je suis en train de faire quelque chose de très utile. Allez! Mais... ok. Ah, c'est lui qui fait demi-tour tout seul. Ah, allez. Ah, je vais essayer de... je vais... allez, rodéo. Rodéo. Je vous le dis, je le maintiens au milieu, là. Elle va aller boire, c'est ça? D'accord, ouais, en fait, c'est ça. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur la cinématique. Donc, elle va boire. Elle va se charger en jus de prune. Et puis après, bim, elle va évacuer tout ça.
Yeah, tablette de chocolat en entier. Bon, il faut peut-être que je lui laisse le temps aussi de... Est-ce que je peux faire un truc, moi, auprès d'elle? Est-ce que j'ai... Parce que... Ah, putain! Parce que finalement, pour qu'il la dégomme, j'ai pas besoin de monter dessus. Si. Voilà, si, si. Putain, non, je peux rien faire pour toi? Je peux pas t'aider, putain, t'as l'air con. Bon, allez, je vais aller par là, alors. Si au moins il restait les carcasses des autres vaches, je me dirais, ok, je suis sur le bon chemin et je fais ce qu'il faut faire, mais là, je suis pas sûr du tout, quoi. On va voir, je vais la dégommer elle aussi. Ah! Oui? Se passe un truc bizarre? Oui? Why am I such... Pourquoi je suis un tel gros... con? Et allez, la douche marron. Enfin, le bain, plutôt. Vas-y, toute la journée, j'ai dessiné des gens nus. Et maintenant, on fait un jeu sur le caca. C'est quoi cette journée, sérieusement? Oui, on fait un jeu sur le caca, mais avec l'écureuil qui a la queue toute mignonne, toute poilue. Toute pili-pili. C'est même pas la langue. Mais c'est quoi, Seeker? Tiens. Éclate-la une deuxième fois. Bah même là, c'était la troisième. C'est la troisième vache que je tuais, quoi. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je continue. Enfin, je commençais à me demander si vraiment j'étais sur le bon chemin. Défonce-la par derrière. Non mais... Non mais Luna Moonshan, mais bravo. Putain, mais la vache chie, c'est super drôle. Les devs devaient être pliés en faisant ce jeu. Ouais, comment dire que... Bah, c'est de l'humour bof, quoi, voilà. Enfin, l'humour bof plutôt que bof. Et le but, c'est quoi? C'est de sauter et de rejoindre le taureau en bas pour qu'il me refasse le derche? Ah oui. Oui, temps de chargement, mais c'est bon, quoi. Pipi, caca, fourchette, lol. Il est trop sérieux, Néo Six, pour ce genre de jeu, il peut pas. Ah, mais oui! Ah ouais, d'accord, j'ai rempli complètement la cuve de caca. Oui, voilà, c'est là où j'étais tout à l'heure. Où il y avait les cordes là. Sauf que maintenant je peux nager dans le caca. Oui, on peut faire ça. Bon, pour que ce soit moins crade dans votre esprit, dites-vous, c'est du jus de prune. Putain, y a un truc à faire là. Et j'ai toujours pas trouvé la liasse de là qui était qui m'appelait tout à l'heure là. Je sais pas où elle est. Moi aussi, je commence à avoir mal au crâne. Ah, si, à force du caca. C'est bon, c'est fini, le caca. Pour l'instant. Je suis sûr que le jeu ne nous a pas tout servi, là. Oh, il s'est mis des petites bouées. Autour des bras, si mignon. Mais il les a, là. Ah, d'accord. Ah, mais... C'est légèrement l'incontrôlabilité. Je... Par contre, la petite tête de Conqueror là qui apparaît, c'est cool. Alors, ça, c'est quoi? C'est là d'où je viens, non? Oui, oui, c'est ça. C'est là d'où je viens. Bon, en tout cas, je sais pas où est où sont les billets que j'ai vus tout à l'heure, mais je pense que là, je les ai noyés, quoi. Bon, bah, allez. J'imagine que je dois surveiller sa tête. Oh, le taureau! Et qu'au bout d'un moment, il doit finir par se noyer. Parce que il faut bien que ça serve à quelque chose finalement, cette animation. Bon voilà, ça va, il est tranquille. Putain, mais il a un record d'apnée, le Conqueror, merde. Bon. Alors mec. Noyé dans le caca. C'est triste. Je ne sais pas. Alors, parce que là, je cherche... Je l'entends encore, le billet, là. La liasse de billets. Donc, elle est quelque part par là. Donc, j'imagine une des entrées qui... voilà, genre ça, là. Non? C'est quoi, ça? Ah! Vite, 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 vite.
What? Mais non. Oh putain, la caméra était gerbante, quoi, des fois. Alors là, je suis revenu... Ah, mais je suis revenu à la maison du début, c'est peut-être pas le but. C'était pas le but du tout. Ah, m'oubliez pas. Ouais, je sais, il est par là, quoi. Donc je... Parce que c'est que tout se ressemble, c'est super chaud de... De trouver une, autre, une entrée là-dedans. Bah, ouais, il y a ça là, juste en dessous de, chez, de moi là. Je sais pas vers quoi ça mène. Ça là, c'est quoi? Ah, mais non! Mais non, mais non! C'est là où, où j'ai été tout à l'heure. Allez, over here. Oui, bah, je veux bien te rejoindre, mais. Là, je galère, je sais pas où tu es, mec. Est-ce que. Ça, c'est quoi? Ça, c'est. Non, ça. Et en bas, y a rien. Si je vais tout, en, tout au fond. Oh! Ah, ok. Si vous voulez. Ok, ta jauge de oxygène, c'est un. Un quoi? Ah, c'est une tête. Tête de soumis de Conker. Ce jeu est dégueulasse, putain. Je dois y aller, je reviens peut-être après. Ok, le Nemonjan. Des bisous, alors peut-être hein, tout à l'heure ou pas. L'écureuil, il est comme moi, il nage dans la merde. Bientôt au Bataclan. Mais sérieux, enfin, à quoi ça sert d'être venu là, alors? Vu que, bah, j'ai rien fait. Il y avait une liasse méga géante, quoi. Bon, je... Et là, si je reviens en dessus, ici, c'est... Ouais, je reviens là où j'étais tout à l'heure, où j'ai récupéré la queue et tout. Il y a des proutes. Oui, il y a des proutes. Oui, il y a beaucoup de proutes. Des proutes, putain. Ouais, mais alors. Des proutes, il y en a pas mal. Ça, là, c'est quoi? C'est la lampe. Voilà, il y a une espèce de lampe, il y a un robinet. Bon, bah, je vais aller par là. Ah, je l'entends bien par là, là. Ah, ça y est! Oh mon dieu, te voilà! Oh, y'a qui est là, connard cupide? Cette voix qu'il a en même temps, quoi. Bon, bah... Ouais, je pense que je peux... Je peux ressortir de la baraque, mais j'ai aucune idée de... De l'utilité de tout ce que je viens de faire, en fait. Alors, peut-être que je vais m'en rendre compte tout de suite en sortant de la maison, hein. Normalement, il était censé... Ah bah oui, c'est ça. Le mec était censé me faire une boule de bouse. Mais pourquoi? Bonjour, mec, je reviens, j'ai un pote en live, il fait des lives, puis mec... ça marche, Mathéo. Ouais, là, voilà, une grosse boule de merde. Oh, merci. Y a pas de problème, mon pote. Vraiment, merci. On est tellement bien récompensé dans le jeu. Oh, non, non, mais toi, ouais, je sens que tu cherches le fuck, voilà. Et il est quand même temps qu'on me donne une autre arme. Parce que les gobelins, là, avec leur... leur protection d'acier, c'est vachement chaud. Ah, oh, putain. Oh là 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 là. Qu'est-ce que... Ah, d'accord, je vois. Non, je vois pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je la mène en haut, c'est ça? Ah, ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense qu'il faut que je la mène en haut. J'y suis allé l'autre jour, et enfin, non, l'autre jour hier, du coup. Et je me suis retrouvé bloqué. Et donc, ouais, je... Oh, putain, elle grossit! C'est l'effet boule de neige! Ouh!
Non! Oh, il m'a fait tomber ma boule. Ah, mais il est sympa, il m'en donne une autre, à chaque fois. Lesquels j'ai eu une nouvelle pour me faire, je suis dégoûté. Ah, mais moi je l'ai pas la nouvelle, vas-y, c'est quoi? Dis-nous tout, Vibro. Bon, putain, ça va être chiant. Je sens que cette phase-là, elle va être relou. Parce que j'ai déjà pas super bien pigé comment se débarrasser des bestioles là-bas. Hier, j'y arrivais in extremis alors que bah, j'avais pas une boule de merde, quoi. Donc, moi, je pense que dès qu'elles rentrent dans leur trou, là... Ah, mais elle descend par là, en fait! Voilà, là! Je pense que c'est le moment, voilà. Ok, ok, j'y suis. J'y suis, tu vas faire quoi toi? Tu vas faire quoi? Zix, tu vas faire... Ok, c'est bon. Ouais, voilà. Ah, c'est bien. C'est bien. Une belle boule de bouse. Ajoute un bâton de TNT. Ah, il lui a fait bouffer, gros dégueulasse. Il a sauté. Effectivement, il a sauté. Il me rend une boule. Mais pourquoi faire? Bah, le but c'était pas de faire ça. Je vais vérifier quand même ce qui se passe maintenant quand. Je monte au sommet, mais... Au sommet, mais... Ouais, voilà. C'est ce qui me semblait. Je peux pas y aller. Est-ce qu'il faut que j'amène ma boule de bouse par ici? Je suppose que oui. En même temps, il... Ah, mais... Non, mais en même temps, il me gênait pas. Pourquoi je l'ai tué, lui, là? Il était pas énormément gênant, finalement, enfin... Là, il y a quoi? Ah, par contre, maintenant... Ah, si, d'accord. Quand je l'ai dégommé, j'ai tout dégommé, quoi. Maintenant, il y a un chemin tout droit. Alors qu'avant, pour le trouver, lui, je devais grimper. Ah, putain! Ouais, d'accord, je vois. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Je dois amener la boule de boubouze. Allez, jusqu'au sommet. Mais je vais essayer d'en faire avec mon casque. Si c'est trop dégueu, j'attends la perche. Bon, il n'y a pas de raison que ce soit tellement dégueu, en fait, Vibro. Mais alors, attends, on peut... Est-ce que tu as expliqué ce qui se passait avec ta perche? Je refuse de faire des scènes. Il m'envoie une autre perche entre 7 et 22. Ah, ok. Boule de boue, c'est dur à dire vite. Boule de boue. La boule a jamais de boue. Ça, là, c'est quoi? C'est quoi, ça? Ah, c'est la tête! D'accord. Ah, ouais, d'accord. Ouais, c'est la tête de la chose qui était en train de... De roupiller là. À qui j'ai fait bouffer un peu de dynamite. Là, vas-y, rentre dans le trou. Rentre. Voilà, en fait, cette phase-là est pas trop compliquée. Mais je pense que la boule va atteindre une taille. Voilà, là, c'est chiant. Non! Non! Oh! Ah putain, il ressort! Bon! Je mets le boule de bouse. On ne pique pas mes superbes blagues, Vibro. Ah là, c'est bon, il va rentrer. Ok, je passe. Ah, c'est in extremis à chaque fois, hein! Et bien là, bonne question.
Je fais quoi? Parce que j'imagine que là, dès que je vais là... Ah, voilà. Mec, je joue à CSGO. Bah, bonne partie. La musique est pas dégueu. La musique est cool. Globalement, les musiques du jeu sont cool. Alors, en fait, parce que là, y a bien un chemin. Mais du coup, pourquoi j'arrive pas à le prendre, ce chemin? Et là-bas, y'a quoi? Oh, putain, y'a... Ah, y'a une liasse, là, qui traîne. Alors, en fait, ouais, je pense que je me suis juste bourré de chemin. Enfin, il y en a juste... Oui, il y en a deux. C'est bizarre. Parce que là, en fait... Ah oui, d'accord, c'est ça. D'habitude, je monte par là, alors qu'en fait, faut prendre ce chemin-là. C'est ça. C'est ça, ouais. Et Ah, et je pense... Je pense que je devine ce qui va se passer. Il y a une barricade en bas. Donc je vais mettre la boule de boost dans le trou où je ne peux pas aller. Et elle va redescendre par là, me permettant de passer. Alors moi je dis que c'est ça. Oh oh oh. Putain mais ces bruits dégueulasses. Ah mais merde. Ah mais barrez-vous putain, les gobelins là. Oui, je sais, c'est bientôt la mort. Ok. Y'a pas une petite tablette là qui traîne par là? Enfin, un petit carré de chocolat? Ça y est, ça y est, ça y est. Oh, c'est bon! Bon, en fait, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est ne pas mourir. Pas me faire toucher une fois. Je sais pas si ça va le faire là. Sinon, le chemin pour me rendre au sommet, il est pas si long que ça. Normalement, je vais rencontrer... Voilà, encore un insecte. Il est où? Voilà, il va rentrer, mais d'abord, il va pousser ma boule. Putain. Oh, fou, mais putain, connasse de coccinelle. Attendez, c'est passé quoi avec ses yeux? J'avais pas vu. Bah oui, il porte un masque à gaz. Masque à gaz. Là, il l'a pas, mais voilà, il l'enfile direct. Eh, ils sont... Ah, non, j'allais dire, c'est cool, le jeu n'a pas rendu la vie aux merdes vertes, là, qui font chier, mais si, si, si. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Puis ça, là, je sais pas ce que c'est. Là où il y a marqué « Noob Worlds ». Donc ça donne vers l'espèce de lac où il y a des choses dans l'eau qui ont pas l'air super cool, donc j'ai pas excessivement envie d'y aller, mais il va y avoir un truc à y faire quand même. Oh oh, qu'est-ce qui se passe? Ah nickel. Ah, nickel, je sais pas ce que je vais pouvoir passer. Ouais. Voilà, et je pense que là je vais arriver. Je vais arriver, c'est bon. Oh punaise, c'est bon. Oh oui. Allez. Ah. Je crois que ça confirme ma théorie. Et ça va péter la barricade en bas. Je mérite un point. C'est l'endroit où tu dois mettre les poubours. Mais pour moi, une poubelle, littéralement, ça veut dire un chiotte. Ah oui, les poubelles. Oh merde, mais cette musique, quoi. Aïe. Ah ouais, c'est vrai, là, je peux... Enfin, dans certains endroits, je peux tomber sans me fracasser la gueule parce que le caca amortit le dégât. Oui, c'est connu.
Ok. Et là, maintenant, je peux y entrer? Et bah voilà! Tout bon, les gars, de cacaboule. Hé, hey, bonhomme, regarde où tu vas. Désolé. Suis mon conseil et va-t'en d'ici. Il y a quelque chose qui craint vraiment là-dedans. Il faut pas y aller. Doucement, calme-toi. Et dis-moi ce qui se passe. Bon, d'accord. Ça a commencé il y a 2 jours. Oh, flashback, mon dieu. Il y avait juste moi et les copains, on prenait un café et tout d'un coup, sans crier gare, v'là la Tessa, quoi, qui disparaît. On ne la voyait. On ne la trouvait plus. On s'est dit, bah, il est peut-être parti faire un tour pour faire des courses ou autre chose. Il n'est jamais revenu. Ensuite, ça a été le tour de Bazda. Il se baladait tranquillement en s'occupant de ses oignons. Alors, je me suis mis là et Bazda. Comment tu vas, mon petit pote? Il m'a salué de la main et voilà. Ce truc est sorti de la merde. Et je me suis dit, oh non, faut pas que je reste là. Mais il fallait que je me cache, d'abord. Il regarde sympa, le petit doigt. Et quand je suis sorti, parce que je pensais que la voie était libre, les potes avaient disparu. Ces salauds m'avaient abandonné sur place. Je dégage d'ici. Fais comme tu veux, il y a de l'argent. Il y a de l'argent par là, si t'es assez fou pour aller le chercher. Ouais, ça, je sais ce que c'est. Si Belgras était là, il serait heureux. Alors, Mathéo. Ouais, hier, il en a parlé. Voilà, il en a parlé de cet endroit. C'est un boss très connu. Ceux qui connaissent le jeu, ils le connaissent. Apportez-moi du maïs. Qui est-ce? Je ne vois personne ici. Ok. Si c'est ce qu'il veut. Ok. C'est ce qu'il veut. Ah, c'est du maïs. Je croyais que c'était du blé, moi. Ça. Jeu de mots. C'est quoi, ça? Oh, il y a du maïs qui court. Oh, putain. Ok. Comme ça? Je dois vraiment lui apporter? Comment je m'en débarrasse? Ah, attendez, j'ai une idée. En allant sur le B, là-bas. Je vais déjà récupérer un petit peu de... Voilà. C'est ça? Ah non. Mais j'ai beau appuyer sur toutes les touches que je peux, il n'y a rien à faire, il veut pas le lâcher. Oh, oh. Bon bah alors disons que je vais l'amener Bah ouais mais non, là il veut rien faire. Peut-être que si je m'approche, non. Ah putain je lag, moi aussi. Ouais je connais. Qu'est-ce qui se passe encore? De l'amener là-haut, hein. Non, je peux pas le faire sortir. Ouais, je me suis dit peut-être qu'en me jetant avec le truc de maïs, ça irait. Je ne piche pas. Je ne piche pas ce qu'il faut faire. Et j'ai plus que 0 vie. Du maïs. Voilà, vas-y. Mais il est con avec sa grosse main géante, là. Il s'est gouré, putain. Et ça, c'est quoi, mais... Mais j'ai rien à faire, c'est ouf. Je dois me laisser... Mais non, c'est pas possible. Mais je vois pas d'autre chose à faire. J'appuie sur tous les boutons possibles, il y a que dalle. Allez. Et là-bas, des fois que... Oh. Ok. Et ça se fait tout seul.
Oh mon dieu, ce remake des Dents de la Mer. Faut aller sur le ponton qui dépasse près de la main. Merci Léo Six. Ah bah oui, c'est complètement des Dents de la Mer. Il y a du bœuf. Mais qui se laisse-t-il? En tout cas, ça ne vient pas de moi. Non, non, du tout. Ça se passe bien de mon côté. Bon, j'ai sacrifié un pauvre maïs. Et maintenant, alors ouais. Est-ce que je peux éventuellement sauter jusqu'à là-bas? Ouais, je peux. C'est limite, mais je peux. Ah, d'accord. En fait, j'imagine que c'est ça. Je dois tous les... Je vais tous les balancer, voilà. C'est un peu con comme, comme phase de jeu, quoi. C'est juste pas possible la musique, enfin la musique. Les bruitages. À base de paix. Alors lui il est derrière une espèce de... Un mur de caca, n'est-ce pas? On va dire que c'est ça, on va dire que c'est un mur de caca. Il y a un chemin où il est pas allé. Je suis sûr c'est par là, bah tiens. Et le retour de l'écureuil bourré, Retalination. Donc tu connais ce jeu Neo Six, intéressant. Si je bloque, bah au moins je saurai vers qui me diriger. Oh putain! Et merde. Bon, bonne question. Alors, je crois que c'est game over là. Il me semble-t-il. Ça va bien, Tali? Ouais. Ouais, ouais. Game over. Alors, du coup, je vais devoir me retaper, putain, tous les trucs de maïs, c'est ça? Je sais pas. Les bruitages de poupe. C'est ça. Bon, c'est pas grave. Au moins maintenant, je sais où ils vont. Ok. Hop. La mort nulle. On évite. Mais je sais ce qui va se passer parce que, évidemment, je l'ai dit, hein, je le connais quand même un petit peu le jeu. Et je sais où on est là. Voilà. Et c'est quand même un... C'est quand même un truc mythique du jeu, quand même. Ce qui nous attend. Putain. Mais c'est pas vrai. Hop, 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 hop. Oh, mais non. Voilà, là c'est bon. Hop. Ah non, je le connaissais à peine. Hein. Enfin, juste, je connais juste la jaquette. Ah ouais? Et comment tu savais pour le ponton, là? Il y a vraiment un truc qui est chiant, et surtout dans ce niveau-là, comme ça glisse un petit peu, enfin je crois que ça se fait... C'est que quand tu fais des pas, bah en fait, lui il continue d'en faire quelques-uns après toi, quoi. Et c'est méga relou. Il y a plein de jeux qui sont relous à cause de ça, mais... Mais là, voilà. Hop, 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 hop. Voilà, ça c'est bon. Putain, j'en ai marre, à chaque fois je dois me retaper le...
Allez, petite cinématique nulle. Qu'on va passer. Hop. Encore heureux qu'il y ait des bouts de chocolat partout qui repoussent, quoi. Ah, puis à chaque fois que je fais ce saut, j'ai peur pour ma vie. Ma vie ne tient plus qu'à un fil. Voilà, je peux y aller. Ouais, allez, voilà. Je peux y aller, je peux y aller. Je tente. C'est bon? Des petits morceaux de chocolat. Mmh, je crois. Jean-Michel Bruitage. Il s'est surpassé sur ce jeu. Ok, normalement, c'est le dernier là, je crois. Bon, il est censé se passer un truc. Il se passe un truc. Un truc mythique. Mieux que le rack explose. Ah ouais, carrément mieux. Ah mais tellement mieux. D'ailleurs, vous savez quoi? Conker est passé de héros mignon à gros thug. Oui, c'est vrai. On connaît l'histoire de Conker. C'est ça qui a fait que Nintendo, ils ont quand même cherché à se débarrasser de Rare à un moment, quoi. Et je vous l'ai dit, mythique. Oui, on lui lance des PQ. Où il est? Aïe! Il faut biser la bouche. Me soumage. Mais en fait, t'es où là? Dans un colon pourri de 3 semaines? Eh non, t'es dans une montagne. C'est juste le dieu du caca qui se trouve dans la montagne. Vous imaginez qu'il y a un mec qui a vraiment... Ah oui, ça je connais, d'accord. Il y a un mec qui a vraiment chanté ça, quoi. Je veux dire... Vous imaginez le comédien qui en a redonné son texte? Mon dieu, mais je connais ce passage. Mais voilà, je me disais bien que c'était pas possible que certains d'entre vous ne connaissent pas, quoi. C'est, je vous l'ai dit, c'est mythique. L'espèce de caca Pavarotti, là, c'est hyper connu. Et j'ai peur que tu me fasses tomber, toi. Ok, c'est bon. Il a la voix de... Il a un peu la voix de Jabba, je trouve. À face de vote. Allez, je vais t'apprendre à chanter, moi. En fait, sinon, le boss est ultra simple. Je pense qu'il faut quand même que j'essaye de viser les bouts de caca qu'il m'envoie. Aïe! Oh merde! Je l'ai raté! Oh! Ah voilà! Parce que les caca géants, c'est allergique au papier cul. Oh mon dieu, la musique accélère. C'est le point culminant de la musique. C'est culte. Je ne sais pas d'où, mais je connais. C'est hyper connu. C'est super connu. Le fion. J'aurais bien voulu avoir une version française de cette fille, interprétée par Patrick Fiori, tiens. Le fion. Oh.
Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai plus de PQ là? Je vais aller je sais pas où. Alors déjà, je vais aller... Non, si, je sais où je vais aller. Je vais aller récupérer du chocolat. Voilà. Chocolat. Chocolat. Hop. Je peux sauter sans problème, hein. Ouais, allez, et là, c'est bon, je peux reprendre du PQ. Oui! Tiens! Oh, putain! Aïe! Merde! Il est où? Enfin, merde, c'est le cas de le dire. Ah! Tu es là! Mon ennemi juré, Capitaine Caca. Ah, mon Dieu! Oh! En plein air. Magnifique. Oh, putain, mais il veut pas. Il chante, il chante! Ah, mais c'est pas vrai! Le truc, c'est d'anticiper, je pense. Oh oui! Et le deuxième bout de caca, vas-y. Lance, je l'attends. Putain, merde. Il va arriver là. Oh putain. Oh, mais j'étais dedans. Eh, c'est quoi cette arnaque? Combien de fois il faut que je l'aie aussi? Je vous l'ai dit, il a une voix là, Jabba, quoi. Pour avoir les caca en plein air, franchement. C'est bon? Aïe 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 aïe, deux carrés. Ah, ça y est, il commence à chanter. Il va aller là. Non? Oui! C'est bon là quand même. Le point d'orgue. C'est l'histoire d'un caca qui parle à une diarrhée. Il raconte les aventures de quand il était soldat et la diarrhée adorée. Alors la diarrhée demande ce qu'il pourrait à l'armée parce que ça intéresse ou non. L'armée, c'est pour les durs. Oh merde, Vibro. Vibro, il est... Vibro, il est black scatophile. Alors là, par contre... Alors là, par contre, que faire? Oh! Le... J'ai l'impression que... Le mur de caca n'est plus? Mais oui! Ah, la chasse d'eau! Par ici, la monnaie. Regatenels! Il dit morpion alors que ça parle de merde. Le truc rajoute du coulis des troncs sur le caca! Mais quand on peut faire encore plus dégueulasse? Bon, Manu, tu es plus fort que la merde, félicitations. Je sais pas combien je vais pouvoir le prendre, mais je le prends bien. Allez, hop, on tire la chasse. Ah, maudit écureuil, regarde ce que tu as fait. Je suis vidé. Oh, quel malheur, quel grand malheur. Qui aurait cru qu'un minuscule écureuil comme toi aurait pu détruire ma superbe merdosité? Je... Non. Bon, et je reviens, j'ouvre au chat. Jeff? Mais qui est... Ouais, ouais. Où Jeff?
pa. Alors, ça m'a ouvert quoi? Finalement, est-ce que je dois suivre? Alors, bon, tirer la chasse ne sert à rien. Mais j'ai fait une blague caca pour aller avec le jeu. Oui, je sais. Mais, je sais pas, t'avais pas mieux? Que... Ouais, moi si, je crois que c'est ça, faut... Je pense qu'il faut aller par ici. Je pense que c'est ça. Et regardez, voilà, cette texture du caca juste à côté de moi. Je vous l'ai dit, un truc de fou, hein. En 2005, je crois, quand il est sorti le jeu, on n'avait jamais vu de caca comme ça. Que je vais me viander là. Ah oui, non, c'est vrai. Comme c'est du caca, ça lui fait pas mal. Hop. Le caca amortit les chutes. Je suis déjà fatigué. Oh, ma pauvre Mickaël, mais il reste juste un tout petit peu plus d'une demi-heure. Qu'est-ce que... Alors, exit. Il y a encore une chasse d'eau là. Il y a encore une chasse d'eau, mais il y a... Ah oui, c'est vrai, il est en train... Je me disais, putain, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de jouer à sa console. Ouais, ok. Bon, bah allez, je vais aller par là, alors. Parce que, ouais, la sortie désignée par le jeu, c'est un peu le trou du caca, donc non, non. De ma vie, j'ai encore jamais vu de caca comme ça, parce que c'est peut-être pas si liquide. Ouais, mais en même temps, il y a du jus de prune pas très loin. Ceci expliquerait cela. C'est la dernière fois qu'il me pose un appât, Conker. J'en ai ma claque de... Qui êtes-vous? Oh, mais regardez-moi ça, cette sexititude. Écoutez, je ne sais pas ce que vous vendez, mais je ne suis pas intéressé. Bon. Et bim. Après les prunes, version caca, les prunes, version baston. Heureusement que c'est un remake, on peut mater le caca en HD. Même pas en HD, même pas. Du sub-HD. C'est vraiment dégueulasse, en fait. C'est ça. Alors, et là, c'est... Bon, du coup, ils ont enlevé sa copine. Oh, une queue! Hop là. Mais, alors là, il y a des espèces de... Non? Qu'est-ce que je dois faire? Putain... Non, en fait, ouais, je pense qu'il faut que je nage. Je pense qu'il faut que je nage. Ça, c'est... C'est quoi, ça? C'est un Tampax? Mais, en vrai? Non. Non, ils auraient mis la ficelle, quand même. Qu'est-ce que c'est? J'ai aucune idée de ce que c'est. Bruno Dagen, ça vous va bien. C'est un peu la rougitude ici. C'est quoi? C'est le caca qui est mort et qui a laissé plein de boue rouge? Ça fait pas un peu bizarre quand même? Ah! Et comme dans Sonic, si je veux récupérer de la vie, voilà. Je vais au robinet. Chercher les bulles. Ah ouais, c'est ça. On l'entend un petit bruitage. De toute façon, pas visible. Enfin, il a les... Je sais pas, c'est un écureuil à brancher le truc, quoi. Sinon, le jeu, je vous avoue, le jeu m'éclate toujours autant. C'est le carton du PQ. Je crois que c'est le carton du PQ, toi, comme ça? Rouge, comme ça? Non, pas sûr. C'est la meuf de Bugs Bunny. Alors, c'est censé être une écureuil. Hein. C'est ton sang. La musique qui rentre grave dans la tête. Tu veux dire le... Et... Ouais, d'accord. Ouais, dans les vrais chiottes, ça se passe pas comme ça, hein.
La caméra est assez indigeste, je vous l'avoue. Putain. Voilà, ok. Heureusement que le gameplay rattrape tout. À part le fait qu'il glisse un petit peu, c'est assez cool à manier, ça va. Danger, pou. Ouais. Ça sert à quelque chose de venir ici ou pas? Je crois pas. Je crois pas. Il y a quand même une question que je me pose, c'est à quoi servent les liasses de billets? Enfin, pour l'instant, à part donner 10 $, ce qui est que dalle, à l'épouvantail pour qu'il nous donne un manuel ou je ne sais quoi, ça a pas servi à quelque chose, l'argent. Hein. Halt! Puis-je passer? Non, il faut payer. Ah bah voilà. Voilà à quoi ça sert. Le péage, oui. Le péage, mais combien? 1 000 $. Putain, enfoiré, quoi. 1 000 $, c'est un petit peu improvisé, ça, monsieur, hein. 500 $ chacun. Ah, allez, crache au pognon. On dirait qu'il n'a pas cette somme. Non, c'est une cloche. Ouais, j'ai pas les 1 000 $, je crois. Allez, dégarpille. Putain, merde. Oh non, ça veut dire que je dois retourner par là. Les écureuils, à quoi ils ressemblent? Je ne m'en souviens pas. Ah oui, il cherche un écureuil. Bah oui, c'est les bouffons du roi. Donc ils cherchent un écureuil pour faire le pied de table. Ils en ont eu un devant eux, mais sinon ils l'ont pas bien reconnu, quoi. Re, Mathéo. Attends, il y a un caca et un chiotte dans une montagne. En même temps, c'est un écureuil qui parle. Je ne suis pas si étonné que ça. Alors j'ai combien de sous, moi? Putain, j'ai 700 $, mais 1 000. Je sais pas du tout où je vais pouvoir récupérer des sous. Bah ouais, là, c'est eux qui tournent et tout. Comment je fais pour ressortir? Vu que j'étais tombé de haut, je peux pas ressortir, je fais comment? Il y a vite fait une sortie ici, mais... Ouais, elle est trop haute. Ah, si, ça va. Ah oui, exit, évidemment. Il peut pas utiliser sa batte, non? Contre les deux fouines, je pense que ça marchera pas. J'aurais dû essayer, mais je pense que ça marchera pas. Il est un peu décalé, le live. C'est normal, ça, Mathéo, ne t'inquiète pas. C'est parce que je joue sur le matériel d'origine, et du coup, le temps que l'image soit transmise de ma télé à mon ordinateur, il y a un décalage. Du coup, j'hésite. Ouais, non, je pense que ça sert à rien de les taper. Hein. S'ils me demandent 1 000 comme ça, ça doit pas être pour rien. Ils doivent. Voilà. Allez, il va falloir aller looter du pognon. Il a défoncé un roi du caca, alors te gardien easy, quoi. Ouais, mais j'avais pas de PQ sur moi. Ah, d'accord, je reviens là. Je reviens là, d'accord. Ok, dans la baraque. Ouais, d'accord. Alors, j'ai vu une liasse qui traînait par là. Qui traînait... Elle était où? Ah, je crois qu'elle est là-dedans, là-bas, là. Non? Je l'ai vue tout à l'heure, en fait. J'ai fait la remarque. Ah, là, c'est là. Ok, là-dedans. Donc voilà, là il y a une liasse de billets. Il n'y a aucune chance que je puisse l'avoir, oui je sais. Mais en fait... Ah quoique... M'oubliez pas, oui t'inquiète, je viens te chercher. En fait, je suis jamais venu par ici, donc peut-être que... Go away, ouais je sais, il y a les requins là, ou je sais pas quoi, il y a des choses dans l'eau.
Au fait, bah, t'aurais pas chez nous sur Dreamcast, toi? Si, si, je l'ai même fait en live. Bah, je l'ai fait en je l'ai fait à moitié en live. Je me suis arrêté à la moitié. Parce que j'ai eu des problèmes pour capturer le jeu. Ah, je peux pas y aller là-bas, merde. Pourquoi cette question, Vibro? Je l'ai même... Ouais, j'ai même chez le Mudo, je l'ai même sur Xbox. Là. Ah, si là, j'essaye d'y aller. Oh putain! Il y a un robinet là, enfin. Eh, je peux pas aller au fond? Pourquoi je peux pas nager? Mais c'est bizarre! Ah, mais non, mais c'est pas vrai, quoi! Ah, mais c'est... Ah, mais c'est des gobelins de merde, là, qui nagent! Ouais, si, il doit y avoir un truc à faire par là. Là-bas, il y a une entrée, déjà. Puis ça, c'est quoi, là? Il y a un bouton, je crois. Là, comment ils me font revenir en arrière, quoi. Je crois que je peux pas l'approcher, lui. Bon, puis l'eau qui commence à... Ok, c'est la mort. L'eau qui commence à rougir un petit peu. J'ai un décalage de malade. Ouais, j'ai pas l'impression que Twitch soit terrible ce soir. Donc, c'est bien la version sur Dreamcast. C'est bien la... De quoi? De quoi c'est la version sur Dreamcast? Et c'est lequel... Je comprends pas ta question. Ton Doliprane est prêt. Ouais, non, mais je sais, Mathéo. Des fois, en fait, Pour comprendre par quel chemin il faut passer, c'est galère. Bah, je vais... Mais là, il y a un raccourci, de toute façon, je peux y aller. No poop walls. Putain. Ah ouais, non, d'accord. Mais arrêtez, c'est abusé. Mais c'est abusé. Allez. En fait, je pense que là-bas, ce que j'ai, c'est la tirette qui permet de vider l'eau. Mais c'est quoi ce délire? Tout à l'heure, j'ai pu le faire. Alors, je vais le suivre. Voilà, je vais le suivre. Voilà, comme ça, j'approche doucement. Oh non! Bon, c'est pas la bonne réponse. Ouais, c'est pas ça. T'inquiète pas, c'est du mille. Ne vomis pas. Parce que j'imagine que toi, Mathéo, tu sais ce qu'il faut faire. Bah, je te demanderai pas de l'aide tout de suite, mais alors... C'est vraiment chaud, je galère. Parce que là, j'ai vaincu un caca. Et Ça m'aide en rien, en fait, de savoir cette information. Je peux éventuellement aller là où il y avait des vers de terre, là. Non! Oh, putain! Oh, mais ce vieux bug! Ah ouais, non, mais quand le jeu... Ah ouais, non, d'accord. Quand le jeu bug à tel point qu'il insiste pour que les mecs te tuent, quitte à aller sur la terre ferme, c'est que, ouais, vraiment, tu peux pas y aller. Je peux pas sauter par-dessus le... Non, je peux rien. Oui, j'arrive! Je veux bien! Je peux vraiment rien faire, là? Si je grimpe, là, comme ça... Et si j'essayais de glitcher moi aussi? Je monte sur le panneau. Non, ça marche pas ça. Hein. Ouais, non. Ça, je crois que. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Bon, que dalle. Bah, tu as Shenmue sur Dreamcast et ce Shenmue c'est lequel, un ou deux? Bah, les deux. Putain, le bug chiant quoi. Ouais, mais j'ai bug. C'est pas du bug, c'est du cheat du jeu à ce niveau là. Là, la dernière fois que j'ai essayé de rentrer, je me suis fait cartonner. Voilà. Bon, j'oublie. On va oublier, hein. Là, je suis pas si haut, je peux pas y aller, là. Alors là, il y a ça, il y a... Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des espèces de vers de terre qui m'empêchent d'accéder. Voilà, eux, là.
Et je peux pas les... Je peux pas leur tabasser la gueule. Tiens, c'est quoi ça? C'est un ennemi? C'est quoi ça? Non? Ah! Qui c'est cela? Oh, bonjour! Qu'est-ce que vous faites alors? Ça va te coûter de l'argent. Ah putain, non, c'est bon, stop. Beaucoup. Reviens quand tu auras plus d'argent. Allez, remonte sur ton vélo. Bon, bah, allez, je me retrouve encore une fois confronté à la difficulté de la vie. Je sais pas où aller. Alors, j'ai fait quoi aujourd'hui qui... Ben oui, j'ai rien fait qui aurait pu m'aider à trouver une solution, quoi. Le screamer. De quoi, le screamer? Quel screamer? Ah, ça! Non, quand même! Tu me demandes... Ah, et là, je peux pas nager? C'est bizarre, j'ai appris à nager dans le caca et pas dans l'eau! Je peux pas nager! Je peux pas nager dans l'eau! Parce qu'à la limite, j'aurais compris, je me suis dit, ok, je peux pas... Je dois trouver du caca, d'accord, mais non, même pas. Et là, c'est quoi? Je peux vraiment rien faire avec toi? Putain, faut aller où? Bon, bah là, c'est mort. Ah, le courant m'emporte. Putain, sinon, c'est vrai que vous avez un décalage de malade. Je sais pas. Franchement, je... Je sais pas. Qu'est-ce que... Bon, à gauche, c'est le caca. À droite, c'est... C'est la ruche. J'ai tout fait là-dedans. Ouais, j'ai tué le boss. Faire un tour, on sait jamais. Des fois, qu'il y aurait un petit... des petits bifetons par là. Mais, franchement, je... Je sais pas quoi faire, là. La propriété de l'écureuil, ils disent qu'il ne peut plus nager que dans le caca. C'est ça. C'est son poil. Il est inifugé, comme on dit déjà. Il peut aller dans l'eau, mais pas dans le caca. Et là, ça, c'est quoi, ça? Là, il y a un trou, non? Ah non, c'est un trou fake! D'ailleurs, tous les morceaux de gruyère qui se trouvaient par là ne sont plus là. Là, ah oui, c'est vrai. Tiens. Eh, la caisse, elle a arrêté de bouger. Ah non, j'ai rien dit. Elle a juste fait une petite pause. Et là-haut, il y a... Ouais, non, mais là-haut, il y a rien, en fait. Ça me sert à atteindre le toit de la grange. C'est pas utile. Bon, il y a... Il y a elle avec ses gros seins, là. Je vois pas du tout ce qu'il faut faire. Le caca, c'est plus dense, c'est plus facile pour nager. Vous faites des théories de ouf. Il y a un mec qui sérieusement va devoir identifier, enfin analyser la densité du caca par rapport à l'eau. Voilà, il va faire une thèse. Re tout le monde, je reviens pour la fin. Re Luna Moonshan. Mais alors, où as-tu donc été? Le melonnier. Ah mais il y a. Eh mais voilà, j'avais pas vu ça. Je peux aller sur le fil? Non? Parce que si je pouvais aller. Ouais. Mais si là je peux. Hein? Parce que si je peux aller sur le fil, ok, ça règle mon problème, je sais comment faire. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 la solution n'est pas là. À quoi sert ce fil?
Oui, mais je t'entends m'appeler. Je veux bien venir te chercher, mais je ne veux pas. Je vais revenir un peu en arrière, parce que je me souviens plus de ce que de ce qu'il y avait avant, avant cet endroit. Peut-être que j'avais plusieurs possibilités de cheminement. Là, de toute façon, je peux pas nager. Là-bas, il y a quoi, hein? Là-bas, ça a un peu l'air de... Ouais, c'est le vide absolu, là-bas. Hein. Ouais. C'est parti jouer avec des potes à Primal Carnage Extinction. Un humain contre Dino. Ouais, je connais Primal Carnage. S'il était pas si cher, je l'aurais pris pour un live, en fait. Et ça va, tu aimes Primal Carnage? Alors, c'est quoi ça là-bas? C'est il y avait une porte là-bas, me semble-t-il, mais elle était fermée. Ouais, toujours fermée. Oh, little unicorn, mon clavier va un peu mieux. Ok, chouchoute bien ton clavier. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ton clavier, little unicorn? Comment ça se fait qu'il fait du caprice comme ça? Alors là, il y a... Ah oui, c'est vrai, il y a elle là, qui tourne autour de sa ruche. Enfin, de son bout de ruche. Là, il y a quoi? D'après Internet, si tu tapes 4200 fois le screamer, ton taux d'argent monte à 9999. Ça va être trop long. On va trouver un autre moyen. Il n'y a pas de fric là, hein. C'est le début ça. Eh oui, c'est le début du jeu, je reconnais. Avec l'épouvantail et tout. C'est pas... Ouais, c'est inutile de revenir ici. Ouais, j'adore Primal Carnage. C'est un inventaire monstrueux, 125 skins de dino. Putain, 125 skins ? Et je suis un monstre à ce jeu. Ok. Il y a un autre jeu que j'aurais bien voulu essayer. Rien que pour un live, ça doit être cool, avec un pote ou je sais pas quoi. Avec Vibro, voilà. On se fait un live sur... même partie, hein, normal. Sur Ark. Vous savez, le jeu où on peut monter des dinosaures. Ouais, moi, c'est mon rêve. Ça aurait été clé que celui voudrait monter des... Oh, mais c'est quoi, ça? Ah oui, c'est vrai. Ça aurait été clé que celui voudrait monter des... Des pirates. Est-ce que ça sert à quelque chose que je tire sur... Bah non, enfin, fou. Peut-être tirer sur la corde. Franchement... Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout. Y'a rien, hein? Ouais, et que dalle. Ouais, c'était pour tuer les espèces de coccinelles là qui traînaient par là. Nyan, maintenant c'est ma wifi qui bug. Je suis tristesse et désespoir. Oh ma pauvre, tu es maudite! Mais j'ai pas arc. En plus j'adore les dinosaures. Mais on est pareil tous les deux, Vibro, que veux-tu? Dinosaures, c'est la vie. Y'a que Klex qui ne peut pas aimer les dinosaures. Mais sinon, moi je comptais le prendre sur console plutôt. Je sais pas si ça te concerne, toi Vibro, mais voilà. Là, y a rien. Mais non, je peux pas y aller. Y a un mur invisible. Là, y a le putain de screamer. Je peux rien y faire en plus au screamer. C'est-à-dire, dès qu'il sort, il me bute. Voilà, c'est obligé. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas la possibilité de taper dessus, quoi. Bon, y a fort. Bah, je vais. Je vois pas du tout où aller, c'est ouf. Il me manque... Alors normalement, ça veut dire qu'il faut que je trouve 3... Ouais, c'est ça, il faut que je trouve 3 liasses de billets, parce que je suis à 700. Et une liasse, ça doit être 100, hein, donc... Là, il y avait quoi, déjà? Je pouvais plus y aller à cause de quoi? Je vais aller voir. Alors, le pont était cassé ou je ne sais pas quoi, on va voir si ça a changé. Il est sur console? Pas encore. Mais tu sais, il est encore en phase bêta, Ark. En tout cas, il sortira sur console, ouais. Mon clavier, ma pauvre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Allez, on va tous se cotiser, on va offrir un clavier. À Little Unicorn. Hé hey. Mais en fait, je peux y aller, là. Mais c'est une banque. Mais c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Par contre, est-ce que je peux vraiment y aller?
Ouais, ça me paraît un peu haut. Effectivement, c'est un peu haut. C'est un peu haut. C'est un peu haut, donc ici, rien n'a changé. Je ne peux toujours rien faire. T'as un truc de fou. J'abandonne, bonne nuit les gens. Bonne nuit les tenues du corps, des bisous à toi et à ton clavier. S'il y a un platine, je vais prendre sur console. Oh, il y aura probablement un platine sur ce jeu-là. Ouais. En plus, c'était intéressant cet endroit. Il y a plein de gens qui visiblement m'incitent à entrer, quoi, avec des beaux panneaux. Alors, si j'essaye de voler... c'est sans conviction, hein. Non, je dis que ce n'est pas par là. Un portable. Un portable. Manu, c'est mon portable qui est bug mon clavier. Ah, tu es sur portable. D'accord. Je sais pas. toutes mes excuses. Tout ce que tu veux. Là, bon, je vais retourner voir le caca. Le truc en plus. Ou alors, comme a dit Agathénès, je dois taper sur les espèces de belettes là. Mais le truc, c'est que la bestiole qui sortait de cet endroit m'a bien dit qu'il y avait du fric à se faire. Maintenant, il y a un problème. Bon, par contre. Et merde. Ouais, je reviens là, forcément. J'ai pris... Ouais, j'ai trouvé la liasse qui se trouvait dans le tuyau. Là, il y a une liasse que je n'arrive pas à atteindre. Et j'ai aucune idée de comment faire. Donc, c'est celle qui se trouve sur la ruche. Je pense que pour ça, il me manque un pouvoir. C'est bizarre, il y a cette corde-là qui est à côté. Il doit y avoir possibilité de faire quelque chose avec les cordes dans le jeu. Mais à part ça... Allez, je vais essayer de taper sur les belettes. Les belettes, les furets, les choses avec des poils. Le mec qui se fait pas trop chier quand il parle des animaux. Oh, il est dans la merde. Allez. Hop. Ou alors, il y avait deux chemins quand j'étais sous l'eau, là. Ah, possible. Je ne le sais. No lo sé. Donc voilà. Alors là. Bon, bah là, c'est assez clair. Il n'y a pas de chemin praticable. Alors, ici, je peux nager. C'est quand même bizarre, quoi. Pourquoi je peux nager que dans les trucs dégueulasses? C'est quoi ce jeu? Je peux pas nager dans les belles rivières toutes bleues? Et dans les trucs où il y a du sang et des pseudo-tampons, je peux? Hein? Oh merde, oh putain. Ah ouais, d'accord, one shot. Et coupé en deux le truc, bon. Monsieur Belette et la babouin. Ah là là, mon enfance. Monsieur Belette et le babouin. Alors là, pendant un moment, j'ai cru que tu parlais du roi lion, mais en fait non, c'est pas du tout une belette. Oh, il y a un œil, regardez, c'est le mien. Enfin, je crois. Monsieur Belette et le babouin, bordel, c'est quoi ça? C'est les dessins animés belges, hein. Allez, voilà, ça c'est fait. Tout à l'heure, je suis passé ici, mais tranquille, sans même m'inquiéter, et là, je galère. Oh! J'ai failli laisser ma queue. Oh, mais quelle! J'avais craché. Alors, oh! Ah, mais non. Je me suis dit, merde! Il y a un chemin que j'avais pas vu tout à l'heure, mais non, non, c'est juste le chemin par défaut, obligatoire. Allez.
Je t'ai envoyé sur Twitter, Manu. Ok, je regarderai ça tout à l'heure. Monsieur Belette, je ne sais pas quoi. Chapeau l'apnée. Ouais, non, mais il a une apnée de fou, hein, le Conker. Et encore, je suis pas resté au max de ce qu'il peut faire, mais... je sais pas pourquoi, en tout cas, il nous donne plein de bulles, parce que ça sert pas à grand-chose. Bon, alors, meurs... Ah, putain, et décidément, non, il y a rien à faire. Oui, halt. Allez, tiens, et ça, là, t'en penses quoi? Ouais, c'est ce que je pensais. Oui, bah ouais, si on pouvait passer, ça serait trop simple. Tiens! Mais qu'est-ce qu'il faut faire, putain? C'est quoi, ça? Est-ce que je peux taper le rocher? Cette vanne, Manu. Mais quoi? Je veux pas de mes blagues. Comment on fait déjà pour regarder en première personne? Ah, est-ce qu'il y a un truc là-haut? On va appeler ça un plongeoir, hein, parce qu'il donne sur les chiottes. Je suis bloqué. Je pense que maintenant, le truc à faire, c'est d'essayer de rentrer dans la ruche. Je vois pas d'autre endroit exploitable, en fait. En plus, c'est là où il y a du fric, quoi. Mais alors... Ouais, ou alors, essayer de faire quelque chose... Est-ce que je peux tirer la chasse, là? Non, c'est trop loin, hein. Ouais, non. Ou alors, essayer de faire quelque chose avec les requins, là. Parce que j'appelle les requins, mais c'est les machins avec des... qui sont dans des tonneaux, là, qui sont dans l'eau, et qui m'empêchent d'atteindre un endroit. Peut-être que là, je peux faire quelque chose. Peut-être. Et encore. Puis, il y a zéro... Attendez, non, c'est pas par là. Il y a zéro aide dans le jeu. Il va absolument pas vous dire où faut aller. Hé, attendez! Mais maintenant que j'y pense, il disait pas de caca! Ah, c'est peut-être ça. Il disait pas de caca dans le... dans l'eau, là-bas. Bah voilà, on va en mettre. Ok, j'ai eu un peu peur. Alors... Oh, putain, c'était ça! Eh oui, mais bien sûr! Allez, casse-toi, Tarba. Donc maintenant, je vais pouvoir vider l'eau! Et donc, ça va nous dévoiler tout un chemin. Oh, un éventail de possibilités. Allez, saute, petit! Bah, allez, putain, saute! Allez. Ils vont boucher le trou, ils sont trop gros. Ah, ça leur apprendra à faire chier eux là aussi. Bon, et lui là? Est-ce que je peux faire quelque chose avec toi? Ah mon dieu, il est devenu un invincible. Il a une carapace de bouse. Voilà, et là je peux enfin atteindre un autre passage qui va me mener je ne sais pas où. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un truc si je me laisse aspirer par le trou d'eau là. Mais bon, je vais éviter. Ah bah là, il y a des requins pour le coup. Youhou, monsieur l'écureuil. Êtes-vous un vrai mendiant? C'est quoi ça, putain? Comment?
bien vous donner l'impression d'être dans le besoin, jeune homme. Et nous avons pensé que ça vous dirait de vous faire un peu d'argent de poche. Oh oui! Je veux de l'argent. 300 billets. Vous m'offrez de l'argent? Ok, où est l'embrouille? Un affreux monstre marin terrorise les environs. Ce redoutable prédateur nous a dépossédé de nos valeurs. Nous cherchons une personne dispensable qui soit capable de nous en débarrasser. Des poissons-chats. Il est vraiment des poissons-chats. Ne pensez-vous pas que l'une d'entre vous puisse se charger? Nous avons le sang bleu. Gare à vos fesses, vos majestés. Je m'occupe des miennes. Mon Dieu, quel langage! C'est bien. Allons, ma chère. C'est ainsi que l'on s'exprime dans la roture. L'ignoriez-vous? Laissez-moi me charger, ma chère. Eh, jeune homme. Oui, vous écoutez-moi. Nous vous en donnons 10%. Donc 10% de leur... Mais de combien? Oui, mais souvenez-vous d'une chose. Chut. Approchez-vous. Il est très irritable. Oh! Et j'allais oublier. J'ai entendu un miaou. Le coffre, une combinaison. Oui. Vous savez ce que cela signifie? Eh bien, quand vous aurez éliminé le danger pour nous en bas, revenez et nous l'ouvrirons pour vous. Bien, bonne chance. Oust, disparaissez. The voice acting. Une minute. Qu'est-ce que vous avez dit à propos de... Dispensable? Hé hey. Bon, bah allez, l'argent, hein. Je peux nager avec elle, quand même. On va pas bouffer. Non. Des poissons, chat, mon dieu, mais... C'est nous aussi que ça dit tout à l'heure. Ils ont trouvé les meilleures blagues, hein, pour ce jeu. Lol. Donc, y a rien ici. Ouais. Oh! Je vois... Oh, punaise! Il y a exactement la somme dont j'ai besoin là-haut. 300 biftons. Bien. Bon, ouais. Ah, putain, il me fait peur à chaque fois qu'il joue à sa console. C'est ouf parce qu'on s'y attend pas, quoi. Bon, bah, en tout cas, on verra ça demain. Non, pas demain. Ben non, demain, c'est samedi. On verra ça lundi. Et bah, je vous avoue que je passe toujours un aussi bon moment, en fait, devant ce jeu. Et ouais, je suis assez fan. Que ce soit l'humour, même si l'humour est un peu lourdingue et tout. Mais le gameplay et tout, les situations... Enfin, à chaque fois, je trouve qu'il se passe un truc qui fait qu'on s'ennuie pas. Et j'adhère complètement. En plus, j'aime bien la manière de progresser, finalement, voilà. Il faut deviner qu'il faut prendre du caca et en faire plein de choses. Voilà, le caca sert beaucoup dans le jeu. Retenez-le, hein. Grâce à la boule de caca, j'ai tué un ennemi. J'ai réussi à atteindre un boss. Un gros caca qui chante. Et je suis venu dans cette ère de jeu. Donc, comment dire que le caca m'est très précieux. Bien. Bon. Je vais aller voir mon petit chat tout mignon. Un poisson chat. C'est ça, fait le beau. Bon, je vous fais à tous des gros 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 bisous. Et je vous donne rendez-vous demain. Donc, pour... Bah pour un autre jeu différent, que je sais pas ce que c'est encore. Donc on verra bien. C'est vrai. Et je vous souhaite à tous une très bonne nuit et un bon samedi. Voilà, merci encore de m'avoir suivi. Ah, bisous.